Bonjour chers amis de partout d'Engindologie. Kande na bisabino don oyo aza serviteur na bino. Do na masolo partout ba congolais place wa zaleli ba talent bani to za na poto bimisango ko. Do na minute Engindologie na za na rafingi je suis là. Aujourd'hui nous avons reçu un jeune. Ce n'est pas n'importe quel jeune. Aya le bela ma forme te aya le bela ma buzo bate mais quand même ayawa a le bela talent ya makambo ya zo sala. Donc comme les médias nous sommes là pour pour votre information, c'est un jeune Congolais qui évolue aussi à Boston, aux États-Unis. Donc, à l'ongambogana âge, il y a 6 ans. Mais aujourd'hui, comme moi, à jeune, moi, Mkolo, à l'université d'architecture. Architecture en même temps au même moment à la paix musique mais quand même nous vous invitons d'entrer ici alors place vos alliés vous mettez moi beaucoup ma casse parce que donc va bien à élite yambo canabiso bonjour bonsoir à tous. Ok, merci beaucoup, vous le voyez donc n'est pas se présenter comment c'était encore. À moi, c'est King Sage. Bah. Oui. Donc, King Sage veut dire oh, les rois sages. Voilà. Vous comprendre que les rois sages, Makamboyo, à l'objet de la mission, Bissot, elle est là vraiment, il n'y a que la sagesse. Alors, les rois sages, Toza, Pina Minito. À Toza, on a Boston, on a un money, on a la Kito, quoi. On a un pays, on a Bissot, money, quoi. Donc, vraiment, les rois sages, j'adore confirmer Bissot qu'avec le temps, avec la jeunesse, pays na biso pe okoma ba jaro ko ndeto mwana ba state na ba Boston na wa pays na biso okoma pe boye mais avec l'appui ya jeunesse et puis na ba toyo ah baza na ba idée ba toyo ana volonté bongisa mboka donc c'est un peu ça donc mais c'est les king. Oui oui bah définitivement avec beaucoup la jeune to sangana et puis pays na biso ke musika, pays na biso ke musika. Congo évolue. So monika na ba network, na ba social network, na ba Facebook, ba Congolais ba sangana mena. Évolue. Toke li boso. Donc sans plus tarder ndenga ayebouye. Alors nous allons nous asseoir quelque part. Alors to beta kati, bo sentir moi na mobale yo, alo bagi nini. Donc et puis asala ka nini. Alors on se retrouve tout à l'heure. Chers amis, chers Congolais de partout, comme je venais tout à l'heure de l'introduire, nous avons notre ami qui est à côté ici, donc vous aurez le temps de vous le découvrir vous-même. Il est là, bonjour, bonsoir monsieur. Bonjour à tout le monde, comment ça va? Ok, donc place vous allez, Boyanouli, Atouni, comment vous allez? Donc alors, sans plus tarder, Azan de Gnabiso Congolais. A Bengisaki biso bongo babeta solo ya masolo azanango c'est un jeune qui évolue ici. Alors na habité ndeko soki ko s'introduire pe sa combo na balandi na biso. Bon ngana King Sage. Na musicien congolais d'abord. OK. Na botama na Congo. OK. Na longwa Congo na zaki 6 ans. OK. Après na kei na Gabon. Donc na Gabon na sali 12 ans après famille Et il y a na USA to beti 3 ans à Houston et puis na longue famille et puis na ya on a Boston quoi donc on a continué musique na hawa donc c'est un peu ça quoi. Okay. Alors vous comprenez donc lingala ils savent ma au début parce que l'on a mboka na depuis âge à 6 ans donc sol ba lingala vraiment c'est quelqu'un à féliciter. Alors on est na biso olobaki comme za king King Sage, alors il y a le baboni King Sage, il y a un combo un peu catonini. Expliquez biso combo normal les anani et puis sobriquet na yo izan King Sage pourquoi? OK. Bon en fait combo na comme on a ngala mulume Sage Salomon. OK. Donc Sage c'est juste c'est en anglais quoi. Bon maintenant na bakisi King parce que Salomon bato balanda Bible, okay. Bible que Salomon za roi, za king. Okay. Donc on a bêté encore ensemble boy à Makisi King Sage quoi. OK, monsieur le King Sage veut dire les rois sages. Voilà. Ceux qui n'ont pas interprété dans moi français les rois sages. Toujours les rois sages le toujours bêté ma solo. Ça aux amo na mboka. Alors toza na media na biso ya bana mboka ozolo ba parce que mokili mo ezola na biso.
Alors nous sommes là pour la découverte de nos talents. Ba talent ya ba congolais partout bazali na ba fin fond partout nous sommes là poto bimisa bango ba yeba na makambo ba salaka. Alors ko expliquer biso olongwa mboka na âge ya il y a 6 ans. OK Gabon. Après Gabon bolongwe boye États-Unis mbala moko. Vani na Texas 3 ans et puis Boston 4 ans, 3 ans. 3 ans. Donc au total, aux États-Unis, 6 ans. 6 ans, oui. Oui. Aux États-Unis, ça fait 6 ans maintenant. Bon, ils ont vraiment bien, ils ont vraiment bien. Quoi, okay. Alors, tu peux nous dire quel genre, le Bouzan Douleman, la musique. Donc, quel genre est la musique qui est au Salaka? Bon, on a ça là, vraiment hip-hop, quoi. Hip-hop plus African hip-hop. Donc, le hip hop africain quoi, donc mélange dans mélange à lingala, dans mélange à français, na beta on a bah rythme africain quoi. Donc ouais c'est ça. Là on a ça là. Dégoûtant biso les King Sage, hein, les rois sages. Alors expliquez biso comment Eloni est tinda yomi kote samaga mandule. Bon normalement musique banda qui est là on a linga, bah parents nanga bah beta, bah bando beta na bah choral na Congo. Maman n'a pas yemba, papa n'a yemba, donc mais bah yemba professionnellement t'es capable de bander ça dans l'église, bah donc mon abonné bah yemba nanda, donc banda qui déjà nanda quoi. Bon maintenant la musique na Komaki première, la première fois que na Komaki, c'est là qui tant na perda qui grand-parent, grand-père n'anga quoi, donc côté linga là. Et ça l'a eu ma somme quoi. Donc, on a bandi à écrire. Donc, tant on a commis moro, on a commis mi balé et puis bandi à boire quoi. Okay. Oui, oui. Et par après, il y a une inspiration, il y a inspiré qui est comme un musicien parce qu'on est au Komaki. C'est-à-dire au Komi parce qu'il y a une différence entre Okoma et Koyemba. Au cause on a eu Okoma, on a eu mais Koyemba était au Komi la rabatu, mais au Komi nzema on a eu au Tegela Arkeli, au Komi nzema on a eu. Alors, question à la qui y a au cocomate, au machin bien sûr, mais les locaux étaient vraiment que au lobby que les longa, les kings, les rois, a décidé de bandandoule. Bon, normalement, c'est qui ma décision, na banda au caboé quoi. Donc, à côté na studio, comme moi, boé na betin zembo. Nzembo bat baye bi vraiment, ils a remix à rouler coup. Okay. Donc tant on a bêta remix on a même en Afrique na ba Gabon ba bêta partout donc bon ba encouragement quoi et banda qui voilà pourquoi je me suis mis donc normalement il y a pas vraiment raison moi sali que non a banda bêta vraiment musique ça ka passion linga ngo na commune kay na studio na che donc ça ka passion na zal na ngo. On peut dire que ça fait combien de temps depuis que tu as commencé cette musique? Bon ça fait 3 ans maintenant. Okay. Ça fait 3 ans que na bandi musique. Ouais. Dans 3 ans au somba banzembo comme ka inspiration ce qui au somba rate que comme ka source inspiration na ganin. Bon, la majorité des nzembo na koma source inspiration na banda bilo eza bilo a motema. Par exemple, nzembo na koma la première fois j'ai grand-père na donc tristesse quoi. Okay. Donc ma majorité nzembo na eza bilo a motema soit souvent eza basi, souvent eza ba guerre na mona na pays na ngai bitumba bilo nyos na Afrique en général donc ino bilo a motema monte ba tristesse ba joie ba peine donc ba sentiment ba émotion quoi. Okay. Voilà c'est un peu ça. Et pour toi en chantant vous trouvez que non Koyemba na yo ko matiwa c'est juste chanter pour chanter, chanter pour se faire plaisir, chanter pour faire plaisir aux autres au public ou chanter un jour pour gagner le pain. Bon pour l'instant, nga na yemba vraiment makamba mbongo za vraiment na mutema na mutute kwa. Na yemba bon na rapa pour na passion, pour na lingango et puis pour na linga musique. Donc et na lingi vraiment na commencer na stopete, na stopé menate. Na lingi vraiment na ke na niveau mort et na niveau na mata kwa, na mata nango na otikate. On peut dire que les kings, les rois sages à comment déjà combien de chansons dans ton carnet tu vois combien de chansons sont comment bon nasa ba remix c'est belé nasa ba remix c'est belé surtout content au moment pour tout comment quoi
Je suis un peu plus de 30 ans. Ok, on peut dire que non, au bando sala remix, c'est juste pour se lancer, pour en tester public. Voilà. Et puis tu avais jugé que c'est bon après au lancer single. Voilà, voilà. Dans ton single, il y a combien de chansons? Une seule chanson, parce que dans le monde, il y a un single, mais au moins il y a 3 chansons, 4 chansons, maxi single, au moins j'ai un single, non, ou maxi single, au sale combien de chansons? Et ça, single, la chanson, Mogo. Donc, ils ont la bonne histoire personnelle. Quoi. Donc, rap, vraiment, ils ont la français, ils ont vraiment rap slow, mais ils ont vraiment une histoire personnelle. Ils ont une histoire personnelle. Donc, ils ont une histoire personnelle. Alors, dans ton single, par rapport à l'expérience au vivant de la vie, qu'est-ce que tu as tiré les sons et qu'est-ce que tu veux dire aux autres? Vraiment le conseil que na pesi vraiment na nzembwana et surtout pour ba couple ba bundaka ba couple ba ligne ba se séparer vraiment conseil vraiment so beaucoup qui ko ça en sorte que couple na bino travailler quoi boka sangote so beaucoup qui vraiment make it work comme baloba na anglais bo sala nyoso pour y travailler quoi. Le travail, voilà. C'est un peu conseil, moi, on appelle ça dans le Zemboana.